Bienvenue sur la chaîne YouTube 8 d'État dans la rubrique SSC pour sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo du jour, nous allons présenter les étapes du nettoyage en profondeur. Objet et valeur. Je fais simplement un petit rappel sur l'imputation de la valeur dans les objets. Quand vous lancez du code et que la valeur s'affiche, c'est simplement le résultat qui s'affiche. Vous devez mettre ce résultat dans un objet ou variable pour qu'il soit conservé. Mais toutes les manipulations que vous faites avec l'objet vont afficher les résultats et ne vont pas changer la valeur de l'objet. Pour pouvoir changer la valeur de l'objet, il faut imputer le résultat dans un objet qui peut être lui-même ou autre. Dans notre cas, tant que vous ne voyez pas de flèche, les données ne sont pas modifiées. On voit seulement le résultat. C'est très basique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Présentation. Nous avons déjà parlé des phases qui constituent cette étape dans la deuxième vidéo de cette série sur les statistiques. Nous vous invitons à la voir si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo montre concrètement les étapes de l'analyse statistique. Si vous souhaitez avoir une description détaillée de ces étapes, nous avons aussi une autre vidéo à ce sujet. Nous rappelons rapidement les étapes du nettoyage. Sélection des variables et de la population, recodage et valeurs manquantes, sauvegarde des données. Nous allons donner des astuces transversales pour vous aider dans le nettoyage de vos données. Les données. Pour faciliter la compréhension de chaque partie, nous allons utiliser un petit tableau de données pour illustrer chaque point. Si vous ne comprenez pas comment nous avons créé le tableau, allez voir notre vidéo sur l'import des données dans R. Dans ce tableau, nous avons 5 personnes et 6 variables. Donc pour chacune de ces 5 personnes, nous avons des informations sur le prénom et le nom, le sexe, l'âge, si la personne a obtenu un permis de conduire, quelles sont les chances que cette personne estime d'avoir un accident en tant que conductrice ou en tant que non-conductrice. Nous constatons qu'il y a des situations où il manque une information et il y a un NA, NA en anglais, à la place. C'est ce que nous appelons des valeurs manquantes. Par exemple, à la ligne 2, il nous manque la probabilité que Flora ait un accident en tant que conductrice. Nous parlerons plus en détail des valeurs manquantes plus tard. Nom des variables. Nous commençons par la première partie, sélection des variables et de la population. Cette partie consiste à réduire la taille du tableau de données en choisissant les variables, les colonnes, et la population d'intérêt, les lignes. Nous n'avons pas besoin de le faire ici, une fois que cette sélection a été faite, nous devons renommer les variables. Nous pouvons le faire de la manière classique, mais lorsque les noms de variables correspondent bien, c'est une perte de temps de tout renommer manuellement. Heureusement, il existe une fonction qui facilite la tâche. MaxNames. Ici, elle n'a pas fait de changement, mais elle fait bien son travail lorsque les données qu'on apporte ont des espaces ou des caractères spéciaux. Il y a aussi la fonction CleanName du package Janitor, qui fait un excellent travail en remplaçant les points et les majuscules par des underscores et en mettant tout en minuscules. Mais la fonction a bien plus d'options que ça. Recodage et valeurs manquantes. C'est probablement la partie la plus délicate. Elle se subdivise en deux grandes opérations. Premièrement, le changement de type de variable, et deuxièmement, le changement de valeur. Ces opérations se font dans n'importe quel ordre, mais cet ordre dépend de la situation. Changement de type de variable. Lorsque nous changeons le type de la variable, nous transformons la manière dont R va l'interpréter. Pour savoir à quel type une variable appartient, nous pouvons utiliser la fonction class. Il existe différents types, aussi une liste non exhaustive de types très utilisés en statistique. À chacun de ces types correspond une fonction interrogative commençant par is, puis suivie par le nom du type. Par exemple, isNumérique renvoie true si c'est vrai, false si c'est faux. En plus de la fonction interrogative, nous pouvons forcer la transformation vers des types en utilisant une fonction de transformation commençant par as suivie par le nom du type. Par exemple, asInteger. Attention, ça ne marche pas vers n'importe quel type. Les cas particuliers. Les dates, les facteurs et les textes sont des cas assez particuliers de données car leur manipulation n'est pas aussi évidente que les chiffres dans le cadre d'une analyse statistique. D'ailleurs, il existe un package spécifique pour chacun de ces types. Les dates et les textes auront une ou plusieurs vidéos qui leur sont consacrées à l'avenir. Le cas des dates. AsDate est limité à un seul format de date, mais le package LibreDate a des fonctions qui permettent d'accepter bien plus de formats de date. Nous en parlerons plus en détail dans les séries temporelles. Le cas des facteurs. Nous pouvons renommer le niveau des facteurs assez simplement. Soit en utilisant la fonction factor avec le paramètre levels, soit en utilisant la fonction levels qui permet d'afficher les niveaux, mais aussi de changer le nom des niveaux. Dans les deux cas, il faut que les noms soient dans l'ordre, mais il est aussi possible de ne modifier qu'un niveau avec la fonction levels. Note, dans le cas de levels, la modification est directement imputée aux données. Parfois, après avoir créé un facteur, on souhaite changer l'ordre de ces niveaux. Il y a trois moyens de le faire avec les fonctions de base. Premièrement, avec la fonction factor, qui permet de réordonner les niveaux avec le paramètre levels. La deuxième méthode est pratique quand on veut juste changer le premier niveau, appelé aussi niveau de référence. Il suffit d'utiliser la fonction relevel et préciser quel niveau on veut en référence. Finalement, nous pouvons utiliser la fonction reorder, qui permet de réordonner les niveaux en fonction d'une autre variable numérique. Par défaut, elle va se baser sur la moyenne de chaque niveau pour les classer par ordre croissant, mais on peut changer ça avec le paramètre decreasing. Le cas des textes. Il existe des fonctions qui nous permettent de gérer des données textuelles, voire même des paquets entiers, mais nous en reparlerons dans des futures vidéos, notamment lorsque nous aborderons le text mining. Changement de valeur d'une variable. Il y a des moments où il est nécessaire de changer la valeur d'une variable. On peut le faire sur l'ensemble des variables. Par exemple, c'est assez facile à faire sur les variables numériques. Parfois, il arrive qu'on souhaite simplement changer des valeurs précises. Nous pouvons alors utiliser la fonction fix,
qui permet de changer manuellement les données. Cependant, on ne le recommande pas du tout, puisqu'elle ne laisse pas de traces. Ce qui veut dire que si une autre personne utilise votre code, elle n'aura pas ce changement. Pour avoir une trace, il est préférable de localiser l'emplacement de la valeur et de la changer avec du code. If-else. Parfois, nous souhaitons changer ou créer des valeurs de manière conditionnelle. La fonction if-else est faite pour ça. Elle prend dans un premier temps un test logique, puis une première valeur si le test est réussi, et une autre si le test a échoué. Si vous utilisez Excel, vous voyez que ça correspond à la fonction si. Pour plus d'informations sur cette fonction et les tests logiques, vous pouvez aller voir notre série de vidéos sur les bases dans R. Valeurs manquantes. Avant de continuer, il faut parler quelques instants des valeurs manquantes, NA, pour not available, traduction non disponible. Dans R, il faut imaginer que ces valeurs ont la priorité. Peu importe le type d'opération qu'on exécute sur elles, elles retourneront toujours NA. Ajoutons à cela que NA n'est pas forcément une valeur manquante. C'est possible que ce soit une information qui n'a pas été prise en compte, mais qu'on peut déduire des données. La cause principale de ce genre de cas est la manière dont on a posé la question. Prenons par exemple une question classique d'enquête. Combien avez-vous d'enfants ? Il n'est pas rare qu'elle soit précédée par la question « Avez-vous des enfants ?». Si cette question est conditionnelle, c'est-à-dire qu'on ne pose la deuxième question qu'aux personnes indiquant avoir des enfants, alors il y aura des valeurs manquantes dans la deuxième question. Ainsi, toutes les personnes qui ont répondu de ne pas avoir d'enfants auront des NI parce qu'on ne leur a pas posé la question. Pourtant, on sait que ces personnes ont zéro enfant. C'est problématique parce que toutes les personnes qui ont des NI ne sont pas prises en compte dans l'analyse statistique dans R. On doit donc ajouter les valeurs nous-mêmes pour éviter de perdre de l'information. Ce n'est pas le seul exemple où les variables manquantes viennent de populations à qui on ne pose pas de questions. Il y a par exemple les questions suivantes. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre grossesse était handicapante dans votre vie de tous les jours? Combien de paquets de cigarettes consommez-vous par semaine? Ou combien d'employés avez-vous? La question est de savoir s'il est nécessaire de déduire et d'intégrer les réponses des personnes qui n'ont pas répondu. Cela dépend de votre population d'études cibles qu'il faudra délimiter. If-else, NI partie 1. Dans nos données d'exemple, nous avons la question « Quelles sont les chances que vous avez de faire un accident en conduisant ?» Voyons que ces NI correspondent aux gens qui ont indiqué ne pas avoir de permis. Donc, on ne leur a pas posé la question. On peut décider par exemple de remplacer cette valeur par 0 pour indiquer qu'il n'y a aucune chance que cela leur arrive. Nous utilisons donc if-else. On peut soit se baser sur la variable permis, soit sur la valeur manquante de la variable accident conduit, en utilisant la fonction isNI. If-else NI partie 2. Nous pouvons faire une manipulation un peu plus compliquée, mais elle aura des conséquences plus grandes. Nous allons simplement créer une unique variable d'accident. Voyons qu'il existe une variable où les personnes estiment leur probabilité d'avoir un accident sur la route en tant que non-conductrice. Nous pouvons nous en servir. Ainsi, si la personne n'a pas de permis, ce sera la valeur de cette variable. Si la personne possède un permis, ce sera la somme des deux variables d'accident. Voyons ce que ça donne avec les mêmes approches. Voyons que dans les deux cas, nous avons des valeurs manquantes, alors que nous sommes censés avoir des valeurs. Ce qui provoque le problème, c'est le fait de ne pas avoir pris en compte tous les cas de figure. Pourtant, en relisant nos conditions, tout semble correct. Soit la personne n'a pas de permis, soit elle a répondu autre chose, soit il manque une information sur l'accident en tant que conducteur, soit autre chose. En fait, le problème vient encore une fois des NA. Dans l'affirmation, soit c'est X, soit ce n'est pas X, les valeurs manquantes ne sont pas prises en compte. Faisons un tableau de tous les cas de figure possibles. Attention, ce genre de manipulation devient vite compliqué. Donc la première règle qu'il faut respecter, c'est de limiter le nombre de variables utilisées pour nos conditions. Donc nous retirons la variable de permis qui est redondante avec les autres variables. En ligne, nous avons les valeurs possibles pour la question en tant que conducteur et en colonne en tant que non-conducteur. Notre condition stipule qu'en cas d'absence d'une valeur pour les conducteurs, nous devons prendre la valeur en tant que non-conducteur. Voyons que c'est ce que R retourne. Par contre, s'il y a une valeur manquante, nous aurons un NA. C'est normal d'avoir un NA ici, il nous manque une information pour les deux variables. Ensuite, si la condition n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'il y a une valeur manquante pour la question des conducteurs, alors nous devons additionner les deux variables. S'il y a bien une valeur pour les non-conducteurs, nous avons bien ce que nous cherchons. Mais s'il manque une valeur, nous avons un NA. Car souvenez-vous, R donne priorité aux valeurs manquantes. Dans nos données, nous voyons qu'effectivement la troisième personne, donc Sven, a le permis, mais il n'a pas répondu à la question en tant que non-conducteur. Nous perdons donc une information. Et la cinquième personne, Yo, n'a répondu à aucune des deux questions. Donc c'est normal d'avoir un NA pour lui. Nous devons donc spécifier les NA dans nos conditions. Donc ajouter une troisième condition pour le cas spécifique de Sven. Dans notre cas, c'est facile à voir, car nous avons que 5 personnes. Lorsque les données deviennent plus grandes, c'est difficile de voir tous les cas de figure. Faire un tableau aide beaucoup à savoir où les NA posent problème. Vous pouvez aussi utiliser la fonction plot NA intersect du package dlooker pour voir où les valeurs manquantes se croisent entre vos individus et vos variables. En colonne et en vert, nous avons le nombre de valeurs manquantes par variable. En ligne et en vert, nous avons le nombre de valeurs manquantes pour un groupe d'individus. Les rectangles orange au milieu montrent les cas où les variables ont des valeurs manquantes en commun. Par exemple, la variable accident conduit a 3 NA, dont un qu'elle partage en commun avec la variable accident non conduit. En haut à droite, nous avons de haut en bas, d'abord le nombre de valeurs manquantes, puis le nombre d'observations manquantes et restantes si on retirait toutes les personnes qui avaient au moins une valeur manquante quelque part. Voilà ce que ça donne si nous ajoutons la condition supplémentaire. Nous reprenons l'ancien code. Il suffit simplement de remplacer la dernière partie de la fonction par une autre condition if-else. Puis indiquer que s'il y a un NA à la variable accident non conduit, il faut utiliser la valeur de la variable accident conduit, sinon faire notre addition. Personnellement, je n'aime pas cette technique car ça devient rapidement illisible.
Toutes les conditions qui suivent dépendent de la précédente, donc il faut beaucoup réfléchir avant d'écrire. Et lorsqu'on a plus de conditions que ça, ça prend énormément de temps à faire et on se retrouve vite avec un long code en escalier. Il existe une meilleure solution dans le package dplyr, c'est la fonction caseWhen. Au lieu de spécifier les conditions en branche comme if-else, caseWhen nous permet d'aller directement dans les parties qui nous intéressent. Et comme vous pouvez le voir, c'est propre, lisible et facile à faire. Note, il faut simplement faire attention à commencer par les conditions spécifiques avant de prendre en compte les conditions plus globales. Mot de la fin. Voilà, nous avons terminé de présenter quelques spécificités du nettoyage de données. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, et on se revoit prochainement. À bientôt !